Allez hop, c'est reparti. Oh là là, celle-là, elle en a d'une coiffure. Je dis de moi, mais comme arbre, on fait pas mieux. Moi, le jour où je suis recherché, je m'arrange pour être derrière elle. Elle a dû se faire confondre avec un verre à pied quand elle était en stage chez un souffleur de verre. Puis là, c'est pas que la coupe qui est au verre à pied. Des pieds au verre, elle est drôlement bien galbée. En parlant de verre, j'aimerais bien être son asticot parce que si c'était une batavia, ce serait une salade. J'adore les cafés au lait, mais... Je veux bien me cacher derrière elle, sauf dans les bus, parce que là, il y a arnaque sur le champ de vision. Garçon, remettez-moi un féministe, s'il vous plaît. Pardon, j'étais dans mes pensées. Un café au lait. Comment il s'appelle? Ah bon? C'est bon? C'était? Ah non, ça l'est encore, hein, je t'assure. T'en as là. Comment ça, tu veux me le donner? Il en veut plus? Moi, je veux bien. Hein. Ben, je vous donne son pourboire, peut-être. Salut, Pierre. Sébastien. Et un mec, le C, c'est dit, le E, le S, le T, ça fait Sébastien. C'est con. Bon, alors, t'es encore en train de gueuler? Non, parce que comme gueulard, je n'en connais pas d'autres des Français. Je veux dire aussi français que toi. Oh bon, tu dois encore râler pour, je sais pas, un objet du commerce, genre le produit vaisselle, en disant que sous prétexte qu'il n'est pas cher, il faut qu'il soit plus dilué, donc ça ne pousse pas. Ou le rouleau à chiottes, non? Je t'imagine bien dire par exemple, et voilà, dès qu'on met un peu moins cher dans le papier à chiottes, il faut qu'il soit difficile à amorcer, que le bout soit indécollable, qu'il fait chier avant l'heure. Qu'en usine ou dans les bureaux d'études, ils tirent sur les matériaux. Tu te demandes même s'ils n'ont pas inscrit dans le cahier des charges que le bout doit être facile mais pas trop. Pour inciter le populo à prendre au moins la gamme au-dessus, tu te demandes carrément si le rouleau à chiottes que tu as dans les mains n'était pas fait pour toi, juste pour toi, par un octuel. S'il ne faut pas deux tours au lieu d'un le pivoter pour trouver ce putain de bout.
Tu te demandes même si ce n'est carrément pas le rouleau lui-même qui ne comporte pas deux tours, ce qui est par ailleurs physiquement impossible. Bref, je voulais juste te demander si tu ne voulais pas me rejoindre au bar La Trésorerie. Salut, rappelle-moi. Bonjour, c'est moi, je suis Pierre Turbier, même très Pierre Turbier des fois. Je vous demande dorénavant d'être plutôt bref dans votre message. Merci. Tiens, la revoilà, elle. Avant de partir pour se rendre chez sa couturière, Madame Gauthier, de son prénom Malfa, pour faire élargir son pantalon, et non pas pour faire allonger son pantalarge, Pierre Turbier se livre à un drôle de comportement qui le laisse s'afficher en train de sourire à un objet. En effet, il est aux prises d'un léger trouble psy tout à fait étrange qui le pousse à adopter des parades afin d'être sûr de ne pas oublier de faire quelque chose d'important. Ce qui se produit à présent, et pour cause, celle de son slip. En maintenant son sourire à destination de son slip, il se sent en sécurité, car il est sûr de ne pas oublier de l'enfiler. Ça peut paraître bizarre, mais s'il y a une action précédant son départ du domicile qu'il ne voudrait surtout pas oublier de faire, c'est surtout de mettre son slip. Alors il préfère encore continuer de sourire à des objets. De toute façon, il vit seul, plutôt que de mettre quelque chose d'important. Oh, c'est pas vrai! J'ai fait tomber la salade dans le bouillon! Je veux dire l'eau de vaisselle! Remarque, vu la gueule du bouillon, c'est pareil!
te dis à la même heure, c'est à la seconde près. À la seconde, comme tu dis, oui. Je me mets à la fenêtre de la cuisine, j'attends. La trotteuse de l'horloge arrivant à 55, puis 56. Là, je compte 4 secondes en ne regardant plus l'horloge. Et je vois le mec arriver, surgissant de la rue adjacente. Il prend toujours place derrière le même arbre qui le fixe. Ça fait longtemps, au moins 10 jours, je comprends pas. Ah oui, c'est perturbant ça. Oui, c'est Camilla qui me l'avait fait remarquer. Parce que ça a commencé juste après que j'en ai la garde. Ouais. Bah dis-le. C'est ça les chanteurs en 2019. Bah dis donc. Pas très avenant le mec. Allô, le conseil rural? Passez-moi le service des prestations de taxi scolaire. Merci, j'attends. Oui, oui, oui. C'est moi. Vous foutez de ma gueule? Oui, je veux dire non. Ici, c'est le conseil rural. Service des taxis. Ah, excusez-moi. J'étais sûr que c'était une blague. Ne vous inquiétez pas. Nous avons l'habitude des demandes scolaires, donc... Sans m'attarder, je vous donne rendez-vous pour faire connaissance avec moi-même. Ah, mince. J'ai oublié le lieu. Allô ? Je vous rappelle. Bizarre comme service. Au parc du jardin, vous connaissez ? On se verra plus tard pour les formalités et la fiche signalétique de l'élève en question. Allô ? Salut, c'est Pierre. Bah évidemment, puisque c'est moi qui t'appelle. Ah oui, quel con. Excuse-moi, je suis perturbé par le fait que je suis en train de passer en direct à la radio. Ça les dérange pas que tu t'arrêtes en plein concert en duplex ? Non, enfin, je crois pas. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est de passer à la radio pendant que je te parle. Ah oui, oh putain. Attends, je raccroche, je vais leur dire que ça c'est fini. Oui, c'est encore moi. Bah oui, je sais que c'est toi. Qu'est-ce qui t'a pris ? Ah oui, de quoi ? La radio ? Non, rien, ils ont mis des pubs à la place. De toute façon, c'est bénévole. Bon, alors dis-moi, pour quelle raison je t'appelle, là ? J'ai un service à te demander. Emmener à l'école et même l'héberger une semaine ma fille, car sa mère n'est plus en mesure de le faire apparemment. Mais je ne sais pas. Tu veux dire tous les matins et tous les soirs de tous les jours ? Faut que je fasse la navette. Mais pourquoi moi ? Remarque. Parce que tu connais le boulot, il me semble. Je te rémunérerai, de toute façon. Ou quoi ? Le collège, c'est où ? Elle doit être au collège, maintenant. T'as pas trouvé auprès du conseiller rural ? Oui, mais le mec faisait pas sérieux. Puis... Ok, j'ai pas de boulot, remarque. Faudra que je me couche tôt. Remarque, c'est déjà le cas. Je suis le plus couche-tôt des mecs les moins fêtards. Ah, au fait, tes sièges sont de quelle couleur ? Faut que ça soit accueillant. Hein, qu'est-ce que ça fout là, ça ? C'est quoi, c'est un mâle dominant, ta fille ? Non, mais elle n'aime que le Bordeaux. Oui, bah elle posera son cul sur les housses d'origine. C'est pour être ministre de quoi, ces études ? T'énerve pas. Oublions les sièges. Oh, tu m'écoutes ? Je t'entends plus. Normal, je dis rien, là. Excuse, j'ai des drôles de manies. Quand je suis fatigué, je souris à n'importe quel objet. Putain, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie quand t'es fatigué ? Non, mais je te jure ! Bon, je me casse. Bon, on en était à Maldomi. Allô ? Bon, j'ai quand même y aller. Au moins pour leur dire que c'est non. Il a dit oui, c'est une bonne chose. Mal dominant, bien dominé, lui, il va l'être.
Bonjour, monsieur. Non. Pardon ? Excusez-moi, je suis pas réveillé ce matin. C'est parce qu'hier, je me suis amusé à mettre les clics sur écoute. Il faut bien rigoler un peu. Vous êtes bien le mec. Ah, pardon. Celui que je devais rencontrer pour ma fille. Oui, mais non. En fait, je suis venu par acquis de conscience. Vu que je fais que de l'intérim, des CDD. Bon, en ce moment, je suis parfumeur remplaçant. Comme j'ai bossé dans les réseaux, je sais comment intervertir les lignes. Et donc je me prive pas de me faire rigoler, si vous voulez. Surtout quand le chef est particulièrement con. Oui, mais moi, ça va. J'aurais pu tomber sur un con. Parlons d'autre chose, si vous voulez. Qu'est-ce que je fous là, alors? Bon, je rentre. Ça savait bien qu'il y avait un petit quelque chose. Salut. Ouais. Enfin, c'est depuis que je reprends un parking de ma voiture aussi souvent, merci, que j'ai l'habitude de rentrer et sortir par cette rue. Enfin, je te dis ça, tu ne connais qu'une entrée, toi. Oui, tu viens jamais chez toi autrement que par la voie piétonne. Je ne veux même pas qu'il y ait un parking. Puis ce qui m'inquiète, c'est pour Camélia. Je sais pas si elle doit continuer à sortir seule s'il y a des mecs bizarres dans le quartier. Puis je te dis, c'est venu en même temps qu'elle. Enfin, que sa présence chez moi, quoi. Allô, monsieur, passez-moi le mois prochain, si vous voulez. Ah non, dans 20 mois, je serai en extra. Et c'est quoi votre métier ? Remplaçant. Enfin, j'aime remplacer. Ah oui, ça mais... Ça permet de faire toutes sortes d'expériences. Ah oui, mais cordonnier, c'est très spécial, vous savez, c'est très particulier. Et vous faisiez quoi dernièrement ? Dans la parfumerie. Mais quand le chef est vraiment trop con, j'aime faire le con. Et c'est où votre extra ? Serveur dans une villa. J'espère qu'ils seront moins commerciaux dans l'âme. Ils trouvaient tous que j'avais pas le sens commercial. Quand vous dites faire le con, ça veut dire que vous draguiez les clients ? Ah non, ça c'est pour le câblage. Enfin, comme j'avais fait câbleur, eh ben j'ai interverti un petit peu les lignes. Le conseil rural, je crois. Alors là, ils m'ont viré, mais je savais que je resterais pas. Et c'est pour ça que j'ai fait le con. En tout cas, ça a bien fait rigoler la cliente. Et le soir, elle était chez moi. Elle n'en revenait pas que je réussisse à faire une blague aussi compromettante. Alors, je lui ai dit que la grandeur de la blague était proportionnelle à la connerie du chef. Elle m'a demandé si j'avais fait des blagues encore plus grandes ailleurs. Alors là, je lui ai dit non. Pourquoi ? Parce que là, ils étaient vraiment trop cons. Mais, bon bah d'accord, taxi scolaire, mais pas que. L'initiation à une éducation amoureuse, eh ben dis donc, elle a l'air de drôlement s'amuser. Ah, je préfère celui-là. Oh, moins de bruit, y'en a qui sont au chômage. Tiens, il bosse torse nu, lui. Ça va être rigolo. Bah quoi ? On a le droit de faire son gamin ? Il ne le sait pas, mais... cet ouvrier et moi-même allons se trouver sur le même cliché. Enfin, je le flouterai. Remarque. Remarque, qui va regarder ça ? Les flics au pire.
Bon, alors je continue. Ce sera pour une nouvelle perquisition. Remarque, rien que pour revoir ma flic. Je ferai bien une connerie de plus, mais cette fois je m'arrangerai pour virer ses collègues. Oh là là, je crois qu'il m'a grillé. Putain! Pour la pochette de mon futur album. Plus tard, mes enfants seront fiers de leur papa. Quand je pense que les premiers spectateurs de ma journée sont ceux qui potentiellement peuvent me voir à poil. Allô, maman? Oui, et toi? Non. Non, j'ai encore rien trouvé comme boulot, là. Ah oui, ça me désespère. Non, je m'ennuie pas vraiment, mais... ça me gêne un petit peu, surtout vis-à-vis des gens qui travaillent. Ah. Est-ce que comme moi, tu sens que tu vas y arriver, là ? Bon, t'es venu pour dire des conneries ou quoi ? Oui, ne perdons pas de temps à l'essentiel. Viens, je t'en prie. Assieds-toi. De toute façon, je suis chez moi, alors. Tu sais, quand j'étais chanteur, je ne marchais pas. Mais c'est normal quand tu regardes et décomposes le sens de marcher. Je ne marche pas, ça veut dire je n'adhère pas. Aucun code ne me fera m'insérer dans une norme. C'est donc normal que je ne marchasse pas. Et que mes titres ne marchassent pas. Même mon titre en tant qu'Alfredo Carcadourec. Quel nom ? Quel nom de nom ? Oui, c'est un pseudo un peu bizarre, parce que j'hésitais entre plusieurs ethnies, enfin plusieurs régions. Et bon, Alfredo Carcadourec, c'est à la fois franco... arabo, rab, britano, breton. C'est tout comme intro ? Hein ? Parce que là, je ne sais pas ce que tu es venu me dire. Et pourquoi tu es là ? Ça a l'air te tracasser qu'à moitié, l'histoire de le mec. Attends, comme je ne marche pas, c'est donc normal que je me sois fait virer du même boulot. Puisque rien de chez moi n'est dans la norme. Bon, allez, moi je retourne dans la cuisine. Je ne crois pas vendredi, pas toi ? Non. Remarque, je ne crois pas non plus à un genre particulier. Mais si, je te confirme qu'on en est forcément un. Je me doute. Tu veux un café ? Oui, tiens. T'as pas dit quelle connerie tu as faite pour te faire virer ? J'ai envie d'en parler.
Tiens. Merci. Alors? Bah... On le sent bien, le goût de l'eau. T'as pas eu dans ta l'eau, plutôt? Ouais, je sais, faut que j'en rachète, parce que là, c'est comme si j'avais demandé un thé. T'aurais pas mis du café dans mon thé? Fous-toi de ma gueule. On trouve plus quoi dire. Mais j'ai adoré le merci tout à l'heure quand je t'ai dit merci, tu m'as compris. Bon bah... Donc tu veux toujours pas me dire? Quoi? Ah, oui. Bon, t'as gagné. Je vais chercher le sirop de menthe. C'est où? Frigo! Quoi? Oh, diagonale. T'as gagné n'importe quoi. Oui, t'as gagné, alors que c'est moi que ça arrange. Tout est dilué ici. Même la menthe à l'eau, elle est vraiment diluée. Moi là, t'oublieras pas de m'apporter du café, parce que faut que j'en rachète. C'est drôle, tu me dis la même chose que dans mon rêve. Je viens de le rêver, ça aussi, tout même. De ce qu'on a dit hier? Oui. Ça se voit, t'as l'air complètement excité, survolté. En plus, ce qui était troublant, c'est qu'on reprenait au mot près ce qu'on a dit hier soir. Ah bon? Je te jure. Ah bon? Bonjour. Salut. Rentre. Oui. Est-ce que comme moi, tu sens que tu vas y arriver? Bon, t'es venu pour dire des conneries ou quoi? Oui. Ne perdons pas de temps à l'essentiel. Viens, je t'en prie. Assieds-toi. De toute façon, je suis chez moi, alors. Tu sais, quand j'étais chanteur, je ne marchais pas. Mais c'est normal quand tu regardes et décomposes le sens de marcher. Je ne marche pas, ça veut dire je n'adhère pas. Aucun code ne me fera m'insérer dans une norme. C'est donc normal que je ne marchasse pas et que mes titres ne marchassent pas. Même mon titre en tant qu'Alfredo Carcadourec. Quel nom? C'est curieux, ça. Oui, j'ai pris un pseudo franco-arabo-rab-britano-breton. C'est tout comme intro? Hein? Ouais, parce que là, je ne sais pas ce que tu viens me dire et pourquoi tu es là. Ça a l'air de te tracasser qu'à moitié l'histoire de le mec. Attends, comme je ne marche pas, c'est normal que je me sois fait virer du même boulot, puisque rien chez moi n'est dans la norme. Bon. Allez, moi je retourne dans la cuisine.
Ah, je me crois pas vendredi, pas toi ? Non. Remarque, je me crois pas non plus un joueur particulier. Ah mais si, je te confirme qu'on en est forcément un. Je me doute. Tu veux un café ? Ouais, tiens. Tu m'as pas dit quelle connerie tu as faite pour te faire virer ? Pas envie d'en parler. Tiens. Alors ? Bah, on le sent bien le goût de l'eau. T'as pas une menthe à l'eau plutôt ? Ouais, je sais, faut que j'en rachète. Ouais, parce que là, c'est comme si j'avais demandé un thé. T'aurais pas mis du café dans mon thé ? Fous-toi de ma gueule. Donc, tu ne veux toujours pas me dire ? De quoi ? Ah, d'accord. Bon allez, t'as gagné. Je vais me prendre une menthe à l'eau. C'est où ? Frigo ! T'as gagné. N'importe quoi. Oui. T'as gagné alors que c'est moi que ça arrange. C'est quoi ça comme chien ? Un bichon frisé ? On dirait plutôt un labradog. Ah non, c'est un bulldog français. Oh bah dis donc, j'aurais pu confondre avec la caniche. En fait, il ressemble à un basso d'eau ou un fox terrier. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rien, c'est mon chien. C'est quoi comme chien ? Hein, c'est un bichon grisé. C'est ma gueule ! Mais j'aime pas le casse-pilleul. Hein ? Vous êtes malade ou quoi ? Quand on fait de la menuiserie, faut bien utiliser ta gueule. La chute quoi. Hein ? Quand on fait de la menuiserie, faut bien utiliser la chute. Et ta gueule. Hein ? La chute, ta gueule quoi. Vous êtes malade ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien, gars.
Vous êtes pas bien, vous? Ah, tu sais ce qui se passe maintenant, même il y a longtemps, comme tu le devines. À présent, tout son origine hors du temps. Non mais... C'est idyllique. C'est pas possible. J'ai jamais compris pourquoi une grille. Ils nous font chier avec les grilles depuis l'invention du frigo. Je comprends pas ça, moi. Une plaque, c'est aussi bien, bordel. Parce que, l'air y passe de toute façon, puisque une plaque ne prendrait jamais complètement la surface du plan vu de dessus d'un frigo. Regarde-moi ça, ça m'énerve, ça. Ouais, Sébastien. Ouais, et toi? Non, j'appelais juste pour savoir si le job ça va. Moi là ? Je faisais le ménage. Pourquoi t'as fait quoi ? Oh les conneries ! Moi ça m'arrive surtout le matin. L'autre jour j'ai carrément renversé une boîte de semoule. Bon, moi je galais aussi, hein. Bon alors pour le boulot ? Je croyais que c'était fini de pas être déclaré. Oui, sauf dans ce domaine-là. Parce que je m'étais fait virer, mais à raconter... Bon, vite fait alors. Une des élèves que je venais de déposer chez ses parents s'était jetée sur moi. Enfin, façon de dire. J'aurais pu la repousser en tout cas. Non, justement, mais attends. Non, parce que mon erreur, c'est que comme je la trouvais mignonne et que j'étais célibataire... Non, justement, j'ai pas résisté. Si, j'avoue que je... Si, j'avais eu largement le temps. Bref, elle m'a embrassé. Mais le pire, c'est que c'était juste avant que je ne décidasse de quitter la boîte. Parce que justement, je commençais par être envahi par des pensées envers elle, de plus en plus. En plus, je sais pas ce qui lui a pris ce jour-là, car en général, elle parlait pas trop, on n'avait pas trop d'affinité. Sauf des fois, il lui arrivait de parler beaucoup. C'était tout ou rien. Mais c'est surtout quand elle m'a prétendu envisager de me donner une lettre que là, j'avais plus du tout envie de quitter l'entreprise. Et pourtant, je sentais de plus en plus que je devais. Et c'est pour ça qu'il y a encore une étiquette sur ta bagnole ? Mais quel âge elle avait ? Ah oui, d'accord, oui. Valait mieux, oui. Comment ça, perquisition ? Ah oui, faut faire gaffe maintenant. Oh, maintenant j'en rigole, mais sur le moment ça fait bizarre. Tu te dis, heureusement que c'est pas des invités les flics. Dites donc, si mon appartement il ne vous plaît pas, faut le dire. Hein. Je les réinviterai plus, ceux-là. Ils sont trop mal élevés. On dérange pas comme ça chez les gens. Ouais, bon, allez, je te laisse maintenant. Ah non, j'oubliais. C'est pour ça que t'avais changé de nom? Oui, ah oui, quand j'étais chanteur. Bah oui. Ah oui, d'accord, je comprends. Surtout le vrai... Quel âge que c'est, ta cité? Allez, bon ménage. Bah, et toi? Comment ça, moi? Ah oui, mais toi aussi, je te signale. Hé, hey, vous devez pas faire ça ici, hein? À quoi, dans un trou? Hein, t'as fait? Moi, je suis pas censé voir ça, hein. À quoi, là, un trou? Bon. Non! J'aime les chants de bois.
Allô, le réparateur vélo ? Ma perceuse, t'en es où ? Ah, là, c'était bien le mandrin. Moi, ça me réussit car je me désarrondis. C'est bien la mèche que je ne pouvais plus huiler. Quoi, la mèche ? Bah oui, avec de l'huile, pas de fil. Vitesse ? Un client ? Oui. Et moi, je suis quoi ? Bah, un client. Et mon vélo alors, on en est où ? Ah, j'ai pas réparé votre perceuse encore. Ah, je regarde l'agenda. Semaine prochaine. Non, on vous laisse. Au revoir. Moi, je sais pas, il parlait de ta perceuse. Ah, le client qui voulait de la salade. J'ai rien compris, tu veux une histoire de mèche. Ça serait pas plutôt mèche, ça irait peut-être plus dans le contexte de la perceuse quand même, vous croyez pas? Ouais. Bah dis donc, on ne peut rien. Je regrette vraiment pas de m'être habillé comme ça. Depuis le temps que je voulais vous parler. Vous êtes qui, vous ? Un mec. Oui, ça je me doute, mais vous voulez quoi ? Vous parlez d'un sujet délicat. Oui, bah mal, parce que faut pas que vous attrapiez froid complètement. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement malade. Ça fait même pas une demi-heure qu'on se connaît, et déjà vous me faites regretter de pas avoir choisi médecine. En tout cas, heureusement que vous avez pas choisi horloge parlante. Pourquoi ? Une demi-heure. Oui, bah... En ce moment, je perds complètement la notion du temps parce que je suis complètement malade. Bon, quoi ? Vous voyez cette herbe là-bas ? Oui, et ? Mettez-vous là. Oui, et y a rien, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez cette branche ? Avant que ma nana ne soit internée à un hôpital psychiatrique, je vais vous faire une paire de chaussettes pour la remercier d'un secret. Je suis sûr qu'il s'agit de celles que je vois chez vous. Il m'a fallu quelques jours à les observer. Pouvez-vous me dire comment les avez-vous, s'il vous plaît ? Vous êtes pas bien, vous ? Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler ? C'est dans votre intérêt. Je vous conseille de me répondre. Et j'aime votre petite amie, dis donc. Elles ne sont même pas à moi. Oui, je sais bien. Je n'ai pas de petite amie. C'est pas ce que je pourrais bien dire à la police, vous savez. Vous êtes malade ? Je comprends pas. Sacha a été drôlement dans votre taxi. Quand ? Une de vos élèves s'est couchée sur vous. Vous croyez que ses parents apprécieraient ? Mais non. Elle s'amusait à me coucher le dossier pour m'embêter. Oui, bah, je voyais mal. Et quand je vois mal, je peux imaginer. Et raconter. Je ferai tout pour savoir ce qu'est devenu ma nana. Et cette paire de chaussettes, c'est moi qui le lui ai donné. Je
Je peux vous dire qu'elles sont uniques dans ce modèle. Mais je n'ai pas l'habitude de livrer des réponses aussi facilement. Réfléchissez, je vous le conseille. C'est quoi ça? T'es malade de faire ça en pleine rue? Ça veut dire quoi? Non, c'est pour me donner du courage, mais attends. Mais t'es complètement malade! Non, c'est un délire à moi. Et moi, je croyais que tu me voyais encore pas, alors j'en profitais. Mais même, y a pas que moi. Je suis sûr que des gens t'ont vu. Ah, parce que s'il y a que moi qui te vois pas, ça va. Non, mais on fait rien quand on marche, on s'ennuie, c'est dommage. Mais les autres gens, on s'en fout, quoi. Non, mais c'est pour me faire me détendre. T'as un peu de café ou quoi? Viens! Une menthe à l'eau? Non. Deux même? Non, jamais à cette heure-ci. À cette heure-là, mon nom est café. Pas de café. Te détendre? Qu'est-ce qui t'arrive? Mets-nous, Serge, deux pressions, s'il te plaît. Bien, monsieur. Merci. Voilà, de belles pressions pour vous détendre, monsieur. Super. Je reçois des menaces. Des menaces? Oui, c'est grave. Non, enfin, on m'a fait une fois. Grave, non. Ça pourrait me porter préjudice, surtout si vis-à-vis du frangeau. Je comprends rien. Comment ça, le frangeau? Le mec qui se trimballe en ce moment autour de chez moi. Il a cru voir une scène désobligeante entre la fille de mon frère et moi. Il me fait du chantage car il est intéressé par... Attends, faut que je reprenne dans l'ordre. Ouais. Tu te souviens, le mec de 8h pile chaque matin? Oui, je me souviens. Ouais. Ben, c'est pas du tout l'arbre qu'il regardait. Tu dois te demander pourquoi. C'est les chaussettes de Camilla qu'il regardait. Regardez les chaussettes de Camille. Arrête. Si, je te jure. C'est juste que, il regardait pas l'arbre, c'est juste que la branche qu'il avait choisi de fixer était juste dans le même axe de vision que mon appart. C'est quoi ce mec? Attends, il y a toute une histoire parce que tu ne connais pas l'histoire de la gamine. Oh là, attends. Faut faire une pause là parce que... Attends, je réponds juste à quelqu'un. Alors, je t'écoute. C'est ma coiffeuse. Elle me demande si pour samedi, c'est l'arrêt côté gauche ou au milieu que j'ai décidé. C'est quoi ces conneries, tout ça pour une raie? Ouais, c'est bon. Tu disais, oui, le mec, la fille... Attends, reprends. Ma nièce, sa mère, sa mère est à l'asile. Alors moi, je l'héberge du coup, parce que ni sa mère, et pour cause, ni son père, ne peut. C'est un marché entre eux. Lui, il part sans arrêt. Il préfère encore être sûr de la voir de temps en temps que de s'engager à la garder. Enfin, bref, je la garde. Et quel âge elle a? 16. Gare à toi, hein. Non, arrête, elle est... Arrête, mais ma nièce, les gamines, j'ai déjà donné. Ah oui, avec ton boulot, là. Et le père le sait? Non, justement. Mais le mec, il est intéressé par les chaussettes, mais pourquoi? Pourquoi je suis servi dans son placard? J'aurais dû rester pieds nus.
Mais attends, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi le mec a repéré précisément cette paire de chaussettes si... Mais parce que le jour où j'ai marché dans une flaque d'eau et que j'avais mis mes souliers dont un est ouvert en dessous, j'ai pris l'eau. Bon, je venais de sortir de chez moi, j'allais pas rester comme ça. Et les chaussettes, j'en avais pas d'autres. Elle était à l'école, j'avais dû les rendre discrètement. Comment il les voit? T'as une terrasse? Oui, mais il les voit à travers la vitre. Pas sur la terrasse, justement. C'est là. En fait, les chaussettes sont un cadeau fait par le mec à sa nana, internée à présent. Il n'y avait donc pas de rideau? Non. Comme je te dis, à travers la vitre. Il est fort, le mec. Hein. Tu veux pas me dire que c'est le mec de la mère de Camilla? Décidément, les gamines te posent. Pas de la même manière chaque fois, mais problèmes et complications. Tu devrais t'en éloigner. Mais là, c'est la famille. Au fait, ton ancien job, à part le taxi, enfin, le véhicule en souvenir, le conseil rural, ils avaient dit quoi? Ah, bah ils comprenaient juste pas pourquoi j'avais gardé le véhicule. Remarque, faudrait que je retire le nom de la boîte. Oui, c'est sûr, mais c'est au black en plus. De quoi? Oui, ton frère là. Pour la petite. Fais gaffe, car elles sont, enfin certaines sont aguicheuses. Et toi, tu pourrais encore te laisser faire. Non, mais là, c'est la famille. Quand je pense à l'autre qui m'avait sauté dessus, j'avais pas résisté, j'avoue. Moi, je suis un romantique à la base. Quelqu'un d'obscène, je comprendrais. Mais là, ils me virent, ces enfoirés. C'est pas comme si j'avais fait des allusions sexuelles genre ça, là. T'es vraiment normal. Mais regarde, à 90 degrés près, la chatte, les autres lèvres. Bon allez, moi je me casse. Salut. Bon allez, je te règle ça plus tard. Hein. Ouais, ça marche. Merci. L'homme inconnu de 8 heures pile, dénommé Georges Obstinant, ayant été grugé, avait donc pour mission de savoir qui a été le profiteur de l'histoire. Un droit officiel qu'il détient en tant que tuteur légal de sa propre fiancée, ex-femme du dit profiteur, mère de Camilla et au statut de majeur protégé, ce qui relève de sa vulnérabilité mentale. Il lui faut le dénoncer sans trop tarder en vue du délai légal de prescription s'appliquant à ce cas particulier et au-delà duquel il ne pourrait attaquer en justice le profiteur pour récupérer son droit. Il lui faut s'empresser de retrouver la trace de celui qui aurait profité de la mise sous internat de son ex-femme pour faire fortune. Sans quoi, le droit d'obtenir les gains liés à la vente du recueil et lui revenant dans le cadre du droit d'auteur par procuration serait dépassé. La paire de chaussettes étendue chez Pierre Turbier aura donc été simplement l'indicateur chanceux du hasard, mettant Georges Obstinant sur la voie de sa justice rendue. Rapidité, efficacité, suivi de vos colis. Et tout ça, en ligne et à tout moment. Partout en France, effectuez vos envois allant jusqu'à 30 kg. Sans ne plus vous soucier de qu'est-ce qu'il est devenu le envoi. Avec la compagnie Carton du L'Express, faites-nous confiance dans toutes les situations, même les plus difficiles. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon petit? Rien, rien. Vous me flattez, vous me faites trop d'honneur. Je sais que c'est émouvant, les gens qui ont réussi, mais quand même. Ah oui, mais non, c'est les échalotes. Comment ça, des échalotes? Vous savez que ça me plaît pas trop d'être mis en concurrence avec les échalotes. Mais bon, je vous pardonne pour cette fois. Hein? Mais non, je rigole, mon petit.
Mais je... Mais non, elle est donc vaquée à la préparation de mon dîner en égoïste. Enfin, je veux dire, mon dîner personnel. C'est normal d'être aussi personnel quand on peut se payer du personnel. En tout cas, je suis bien content de vous avoir. Allez, restez un petit peu, vous allez voir, c'est top comme série. Enfin bon, après ce putain de pub. Il revient avec son premier album, Je vous méprise tous, à découvrir d'urgence, vinyle, cassette audio et même VHS. Carte mémoire et CD, en DVD et VHS, les coulisses du non-concert, où il explique comment les concerts finissaient par le lasser. Mais maintenant qu'il revient pour la première fois, il vous méprise encore plus que quand il n'était pas connu. Déjà, il a la gentillesse de vous offrir un extrait de son dernier, le premier clip, aucune rime garantie. Bah dis donc, cela travaille. Oh, si le père y voit ça... C'est quoi comme chien, ça? On dirait bien un bichon frisé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bulldog français. Remarque, du moment que je confonde pas avec un autre animal que le clébard. Et il est mignon, remarque, son tchoukel. Remarque, vu la taille du klebs, au moins, on est sûr que ce ne soit pas un lévrier. Remarque, un lévrier et un bulldog, ça fait vraiment très présent. Oui, c'est ça, c'est... On est sûr qu'il est là, quoi. Très très présent, massif. Tandis que le bichon frisé, ce serait plutôt de l'aggloméré. Bon, elle est vraiment pas bien, elle. Bah dis donc, je savais pas comment elle dessinait, maintenant je connais son style. Si le père y voit ça, bon elle est vraiment pas bien, elle. Ouais, allô maman, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, tu peux me donner le mail de la préfecture? Le mail? Oui, le mail. Ah, le mail. Pas l'adresse, c'est ton électronique. Eh ben j'ai compris. Où les gens jouaient au jeu de maille autrefois. Oui, bah... Non, je déconne. Oui, bah ça me fait... Oui, bah moi, ça me fait pas rire. C'est drôlement intéressant ce que tu me racontes ce matin. Ah, je sais que je dis des conneries. Mais c'est pas te rassurer. Ah, t'as vu, je vais bien, hein. Oui, c'est pas tellement rassurant quand même. Bon, sérieusement, maintenant. Oui, je préférerais. J'ai inventé quelque chose de... Oui. Strictement à rien. Tu sais que je t'avais dit que c'est fabriquer un klaxon? Oui, oui. Où j'ai enregistré ma voix en train de dire... T'as lié un connard. T'as lié un connard. T'as... Il me semble que je l'ai déjà vu. Ah bon, ça existe déjà? T'as lié un connard. T'as... Ça existe déjà, ça? Ben non, pas forcément avec cette phrase. Oui, bah une phrase... Oui, bah c'est pareil. Ah, tu sais que je t'avais dit... Oui, bah pour une fois. Par rapport à... Oui, alors? Ton invention? Mon invention. Comme d'hab. Pour tout vous me trouver beau. Ah, faut avec un faux miroir. Bah comme d'hab. Avec une photo, elle. C'est bien. Bien coiffé. Ouais, bah pour une fois. Eh bah, je laisse tomber. Mais maintenant, c'est un t-shirt. C'est bien. Et c'est un t-shirt avec haut bas, un haut de pantalon, faisant croire qu'il est rentré. Mais à quoi ça va servir, ça? Rien. Mais comme ça, ça permet de sortir.
Mais pour une fois. Hein, allô, maman? Non, non, mais je préfère ne plus rien entendre. C'est pas une raison pour aller raccrocher la gueule de moi. Faudrait que je te donne des gâteaux, au fait. Des biscuits. C'est un client qui l'a donné à la couturière. Alors, pour la remercier, comme c'était en fin d'année, il lui a offert une boîte de biscuits secs. Comme elle ne les aime pas trop, elle m'a donné la boîte. Mais moi, je les aime pas trop, donc... Alors, je te la donnerai. Faut absolument que je lui dise aujourd'hui. Je le connais, je vais pas le faire sinon. Salut Bernard, c'est moi. Oui, à part que je suis un peu malade. Comment ça, tu le savais déjà? Oui, oh, je t'en prie. Toi, t'es pas mieux, regarde. Non, t'as du bol. Je sais plus ce que je voulais dire. Attends, j'ai pas de mouchoir. Ah si. Ah, tu vois. On dirait que je dis ça à un chien. Moi, par contre, l'autre jour, j'avais un ouvrier. Lui aussi, il était malade. Oui, le peintre. Je lui dis, qu'est-ce que vous foutez dans le bâtiment si vous êtes allergique à la poussière? C'est quand je lui ai offert un café que je lui ai recommandé de démissionner. Parce qu'il a éternué au moment de porter sa tasse à la gueule. Hein? Oui. Bah oui. Et puis là, j'ai bien cru que le mouchoir, c'était moi. Ah oui, et moi, l'autre jour, j'ai bien cru que le mouchoir, c'était ma couturière. Elle m'a même dit qu'elle n'aurait pas besoin de pâte mouille pour mon ourlet. Non, oui, je t'appelle parce que tu sais... Je me suis fait virer de l'entreprise de livraison de Narvalo. Je sais que tu savais, oui, mais ce que tu ne savais pas, c'est que... Non, rien, tu sais, le radiateur que j'ai voulu dépoussiérer pour le repeindre l'autre jour. Hein? Virer pourquoi? Eh bien, je suis sûr que je suis allergique, moi aussi. Hein? Mais non, pas au radiateur. Mais non, pas à la couturière. Surtout pas, d'ailleurs. Enfin, j'espère, parce que ce serait trop con. Bah, parce qu'elle répond à mon idéal féminin. Oh, regarde-le, je t'ai connu plus grivois. Mais excuse-moi, mais tu m'as toujours pas dit pour... Oui, mais je suis un romantique à la base. Enfin, j'avoue que quand je pense à son cul, je me dis que c'est un peu le radiateur de ma bite. Faut pas avoir un entretien d'embauche tout de suite. Oui, enfin, j'espère que tu vas pas lui dire ça, ta couturière. Mon érection est l'applaudimètre de votre sourire. Non, je déconne, je voulais même lui faire une belle lettre. Oui, bah, va pas lui écrire ça non plus. Oui, ben, je t'en prie, j'ai compris. Où en étions-nous déjà? Ah oui! Au pouvoir de séduction. Alors, pourquoi tu t'es fait virer? Tu te souviens quand j'étais moniteur d'auto-école? Oh putain, il faut que tu m'enregistres quelque chose. Ça parle des clichés sur la conduite routière en fonction des âges. Non, c'est pas pour moi, c'est pour une ancienne collègue. Mais je vais la regarder quand même, j'ai envie. Je sens que je vais me marrer. Bah, parce que la gueule de la conduite, quand c'est trop jeune, ça cale quand c'est trop vieux. Là, le régime moteur. Je crois qu'il y aura même de la mini-comtesse. Mini comtesse. Quand j'en vois une, je suis rassuré parce que je me dis que je suis pas le seul à avoir réussi ma vie. T'es vraiment con des fois. Oui. Tu vois quand tu veux. Oui. Ou alors les émissions sur les gens qui se reconvertissent dans les centres de formation pour adultes. J'ai beau avoir 50 piges, je suis content de retrouver le fond de la classe comme à 20 piges. De toute façon, j'en branlerai pas plus qu'à l'époque. Bon, à propos, tu m'enregistres l'émission alors? Oui, mais je n'ai que de la VHS. Il faut que je regarde ce qu'il y a dessus avant d'enregistrer parce que j'avais promis d'enregistrer aussi un. Une émission sur les transgenres pour un pote homosexuel. Mais j'ai l'impression qu'il s'est foutu de ma gueule parce que ça fait un an et demi qu'il me l'a laissé la cassette. Mais j'ai l'impression qu'il croit que je le suis moi-même homosexuel. Remarque, ce serait pas le premier à le croire. Puis j'ai l'impression que c'est de pire en pire depuis que je suis rendu à la ménopause. T'es vraiment con, tu sais. Justement, t'oublieras pas d'appuyer sur ménopause pour ma VHS. Mais dans l'émission, il y a des femmes aussi? Tous les genres, je te dis. Ça va de la gamine à la vieille. Si tu veux, moi, ce que j'avais compris dans la bande-annonce, c'est que ils veulent mettre en avant le fait que, d'un côté, t'as la gamine, la pureté, celle qui se maquille pas, et de l'autre, t'as le travelot. Et quasiment rendu à cet extrême, tu trouves aussi certaines vieilles. Et pour mes VHS? J'en ai vu des vierges aussi. Quoi? Elles sont nues avec leurs parents? Quoi? Mais non, les VHS, pas les gamines. Comment ça, faut faire attention? Mais moi, je m'interdis aucun sujet. Comment ça, à notre époque?
Moi, je suis pas d'accord. Comment ça, faut surtout pas rigoler? Mais tu rigoles? Je suis toujours aussi libre. Je suis contre l'autocensure. Même maintenant, je rigole de ce que je veux. C'est à l'époque de s'adapter à l'homme. Pas le contraire. N'oublions pas que c'est lui qui l'a créé. Je continuerai à déconner sur ce que je veux, comme avant. Bon, au fait, tu m'appelais pourquoi? J'ai complètement oublié. Ah oui! Bon, bah je te laisse parce que faut que j'aille faire ma sieste, mais avant, faut que j'attende de faire mon rôle. Puis après, peut-être que je m'auto-bercerai. Allez, salut! Mais... C'est à quelle heure que tu dois y aller chez Georges? Tu peux pas parler plus lentement, s'il te plaît? Non, moi ça va. Attends. Voilà. Je préfère là. Comme tu dis. Comment tu... Voilà. Non, je t'appelle pour te dire que la couturière a terminé ton ourlet. Mais des... Quoi, tu m'écoutes? Oui. Non, par contre, elle m'a fait un prix, mais t'inquiète, ce que tu m'as donné en trop, je te le rendrai. Attends, normal. Oui, parce que sa bobine de fil s'est terminée juste avant qu'elle ne finisse, et elle n'en avait pas d'autre sur une autre bobine. Moi, t'as le fil terminé. Bon, sinon, tu regardes quelque chose ce soir? À la télé. Car il faut que tu m'enregistres une émission sur les gens qui se reconvertissent dans les centres de formation pour adultes. Le soir. Bah quoi? Tu peux le regarder en même temps? Il te reste des cassettes VHS? Non, attends. Bon, je t'en apporterai une, mais pas trop tard, car aux heures de pointe, c'est le bordel. Mais on les... Tu parles de quoi, là, du Tour de France? Si en fait, la couturière, elle m'a dit de te demander c'est qui avait remporté le maillot jaune. Regarde, pas forcément. Oui, bah justement, c'est pour ça que quelqu'un le demande. Bah, c'était pas un chien, c'est un cerf-volant. Je suis surpris que tu m'aies convoqué dans ce bar, car il m'est habituel depuis facilement 4 ans. Je me souviens, j'y allais toujours avec ma R11. Pourquoi tu t'es mis du rouge sur les ongles? C'est du vernis? Du rouge à lèvres? Pourquoi? Pour me faire penser à quelque chose. Encore? Et là, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai que t'es au courant de mes procédés, toi. Bah oui, on doit faire attention, on marche avec toi, avec tous les objets. Là, c'est ta fille qui m'a demandé de lui ramener des feutres. Quand je pense à la collection de feutres, moins la couleur bordeaux qu'elle doit avoir maintenant. C'est une obsession, dis donc. Quand tu la gardais, enfin, je veux dire, à la grande période, elle t'a déjà expliqué pourquoi cette couleur et pas une autre? Parce que sa copine un jour lui racontait qu'elle s'était jetée sur son taxi d'une quarantaine d'années. Exactement le boulot que tu faisais. Comme cette copine avait des ongles vernis bordeaux, Camilla s'était imaginé qu'il lui arrivait la même chose. Ce qui la faisait un peu rêver. Depuis, c'est devenu une obsession. C'est dingue. Quoi? Que ce soit moi qu'on mette aujourd'hui? Oh oui, bah alors toi t'es vraiment pas bien de toute façon. Tu préfères carrément risquer d'avoir honte plutôt que de risquer d'oublier pour Camilla. Enfin, moi je ne cherche plus à comprendre quand je te vois. Bientôt je vais plus rien remarquer. Mais oui, mais rien ne me dérange vraiment. Ah oui, je vois ça. Honte de rien quoi. Quand j'étais au centre aéré, c'était pareil, il fallait que je ne fasse rien comme tout le monde. Et les autres enfants, ils t'acceptaient quand même? Parce qu'on sait ce que ça fait la différence. Hein. Et ça commence pratiquement tout de suite dans la vie. Non, enfin, si. J'avoue que j'étais assez rejeté. Ouais. Allez, vous revenez. Non. Oh non, mais non. Allez, vous revenez par là. Mais non. Alors je redoublais d'orgueil, surtout en sixième. Comme j'étais l'intello de la classe, à une période, je ne répondais qu'en anglais. Je plaçais le mot qu'on venait d'apprendre la semaine passée dans n'importe quel contexte, même qu'il n'y avait rien à voir. Exemple. Are you open the door? Alors qu'on venait de me demander juste de passer le ballon à un autre joueur. Oui, ça c'est... Il y a un décalage. Ça oui, j'étais rejeté. Mais j'avais toujours un pote, deux pas plus, mais qui eux avaient aussi un petit quelque chose. Pas non plus extraordinaire, mais soit au moins aussi un télo, voire maladif, soit qui au contraire rigolait quand c'était pas drôle en plus. Fort en plus. Thank you.
Alors, t'as une nouvelle de ta nana? Toujours pas, ils ne peuvent appeler que le soir. C'est quelle heure, leur temps de prise en main des portables? Juste après dîner, ils mangent à 18h. Ah oui, tu dois attendre avec impatience. C'est sûr que passé 20h, je me fais plus d'illusions. Ça n'a pas être évident, chaque jour. Alors, j'essaye de penser à autre chose. Je suis fermé. Non, mais si. Par moi, j'en prends une. Oh, l'autre jour, il y a un client qui gueulait parce que j'avais voulu essayer des nouvelles formes. Mais tu fais tes gâteaux toi-même? Non, c'est seulement du pain que je vends. Oui, je veux dire, ton pain toi-même? Normalement non, mais des fois oui. T'as le droit de faire ça? Je sais pas. Oh, dis donc, ton t-shirt, faudrait peut-être le changer. Pourquoi? Ah, t'as vu comment il a grandi? Lui aussi. J'aime bien lui aussi. Parler, t'es à peu près pareil que moi. Hein. Bientôt, on va croire à une immense culotte, genre de grand-mère. Body? Non, je n'ai pas dit qu'elle se ressemblait à un body. Tu vas où? Je vais ranger mes body. Mes vêtements. Tu m'as fait arrêter avec tes conneries. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui sert à rien? Ranger. Moi, je laisse sur le fil à linge. Terminé. Oui, c'est des habitudes. C'est ça, le problème. On hérite des habitudes des mères, pères, grands-parents. Mais en fait, quand tu regardes, ça... Tu as raison. J'aurais pu tout aussi bien les laisser et me servir sur le fil à linge. Et je parle pas du repassage. Depuis combien d'années, je l'ai laissé tomber? Oh là là. Oui, c'est vrai, ça c'est pareil. Pierre, tu veux dire, ça sert à quoi? Tu pourrais faire d'autres choses dans ce même temps. Attends, je vais au petit coin. Tu pourras regarder l'heure, s'il te plaît? Alors, 10h moins 1h, 17. Hein? Tu peux pas dire normalement l'heure, comme tout le monde? Fais le calcul. En fait, t'as entendu le nouveau chanteur, là. Quel chanteur? Bah, attends, je vais sortir et j'allume la radio. Vu l'écart entre le je veux petit coin et maintenant, j'ai un peu peur pour mes chiottes et surtout la cuvette. Puis alors, l'hygiène? Allume ta radio! Oh la gueule! C'est une batterie ou des casseroles? Bonjour Georges. La mère de Camilla avait projeté de faire fortune grâce à sa fille, mais avant qu'elle ne soit internet. 6 mois plus tôt, Camilla, 16 ans, l'avait été aussi car elle était aux prises d'un trouble du comportement, s'apparentant à des troubles obsessionnels compulsifs, en la poussant de manière irrépressible à faire sur le sol des dessins obscènes à la craie. Chaque fois qu'elle voyait un quart de police, il s'était avéré ensuite qu'elle était en fait comme poussée par un désir de défiance. En d'autres termes, plus le mal comportait des risques, plus l'angoisse qu'il a gagnée était élevée si elle renonçait à exercer l'acte du mal en question. C'était basé sur une sorte de syndrome qu'on pourrait désigner syndrome proportionnel. Son cerveau lui appliquait ainsi un genre de téléguidage. Il lui faisait mesurer le risque d'un acte à ne surtout pas faire. Si elle parvenait à faire cet acte, alors son test lui faisait penser qu'elle avait eu de la marge.
Elle se trouvait donc rassurée. Et donc, plus le risque avait été grand, plus le bonheur lié à l'éviction de l'angoisse était grand. Alors, pour les dessins à la craie, là, ça n'avait plus marché. Elle s'était donc faite embarquer. Ainsi internée, elle rendait libre sa mère d'agir dans son dos. En effet, la mère avait eu l'idée d'exploiter les dessins en réalisant un recueil de clichés de ses dessins, puis en éditant le livre par le moyen de son mari éditeur. Mais d'un terrain psychologique maniaque, elle n'a pas pu un jour résister à l'envie d'en corriger un à la craie, directement sur le sol. Elle s'est faite embarquer, elle aussi. Mais elle, par la brigade psychojudiciaire de l'hôpital psychiatrique lui-même, et qui lui a promis de la relâcher dès qu'elle aurait fini de gommer tous les dessins. Tu le sens, con. Pour qu'elle puisse gommer tous les dessins, il faudrait déjà qu'il la relâche. Tu le sens, con. Pour qu'elle puisse gommer tous les dessins, il faudrait déjà qu'il la relâche. Oh, c'est pas vrai. Il faut toujours que le vent il nous décoiffe. Quand je pense que le temps que je passe à me coiffer, le vent il arrive et hop, notre boulet est en l'air. Puisqu'il m'énerve. Peu importe notre orientation, on a toujours l'impression que le vent est face à nous. C'est rien par rapport à ce qui m'arrive ces jours-ci. Oh oui, je préfère largement... cette galère là, quitte à recommencer ma séance de coiffage. Je retrouverai l'enfoiré qui a profité de la situation. Excuse, j'en profite d'utiliser mon crédit. Ça tombe bien que tu m'aies appelé. Tu sais, l'autre fois, je t'avais raconté qu'une plaque de réseau électrique était tombée sous mon poids. Non, bien sûr. Pas en vrai, oui. Dans un de mes rêves. Maintenant, je les contourne. Je voudrais surtout pas que ça m'arrive en vrai. Bah oui, qu'est-ce que tu crois, je suis malin.
Bah. Et voilà! Déjà, il n'y a quasiment pas de souffle. Allô? Ouais. Je mange. Enfin, je vais manger. Je me suis fait un hamburger, mais j'ai enfin pris l'option livraison. C'est quoi ce matériau-là? C'est du balsa ou c'est du bois? Putain, ça aura de chaud à ce point-là dans les bureaux d'études? Tout est vraiment pour le pognon, hein. Il y en aura le vol. Donc du coup, j'attends. Non, je pense que... Ouais, je pense que d'ici un quart d'heure, il devrait arriver. À part si je m'imagine qu'il y a des bouchons dehors. Dans ces cas-là, c'est 30 minutes, mais je vais manger froid. Et voilà! Non! Il y en aura le bol, on fait que ça de se baisser. Mais tu sais, quand on a tout, on peut plus rien pour vous rendre heureux. C'est les chaussettes sur le fil à linge qui font chier. C'est pareil, hein, quand on ramasse le... Te moque pas! Quand on ramasse le linge, il y en a toujours une qui va faire que grâce à madame... Il faut absolument se baisser. À part l'absurdité, je n'ai plus rien, tu le sais très bien. Non, moi, quand je me baisse, c'est pour carrément quelque chose, pour faire une tournée. Ouais. Après le linge, celle du ramassage. Non, salut, faut que je te laisse, il y a ma pub préférée qui commence, mais t'inquiète, je te rappelle dès que le programme recommence. A tout à l'heure. Ouais, bien les chanteurs 2019. Entre le synthé et la guitare, il y a un des deux qui a plus de pile. Et le gaz, c'est pareil, ça. Avait-il besoin de se détrôner d'un tel monopole? C'est... Vivons dans un monde sans concurrence, bordel. C'est pas possible de voir ça. Que ce soit le gaz ou les courriers, d'ailleurs. On était très bien avant, là. Vive un monde de stagnation. C'est pas possible. C'est... Pourquoi la croissance? Croissance de ma bite, oui. Ça fait du bien de montrer qu'on est combatif à ce point-là. C'est pourquoi? Pour plaire aux filles. On aura le bol des valeurs de, je sais pas, virilité, là... Vivons dans un monde sans croissance. Non, il faut être gentil. Ah mais, je vois que vous l'avez en vente. Je crois que je vais en prendre un pour ma belle-mère. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire qui est à l'origine de ce recueil? Quelle histoire? Si, une histoire d'arnaque, ou je sais pas quoi. Moi, enfin, c'est vite dit, quoi. Le gars, il a surtout été très fort, et il a profité d'une opportunité, quoi. D'ailleurs, sa femme va peut-être très rapidement sortir de l'hôpital. Je comprends rien à ce que vous me dites. Mais vu le titre, c'est pas moi qui achètera ça. Là, je comprends vraiment pas. Quoi? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Thank you.